Ils l'ont montré dès l'entame et désormais c'est acté. Les Wellentais sont en finale de cette phase finale du championnat national des moins de 17 ans. Ceci après avoir renversé 2-1 l'équipe de la Nyonga, suivie de celle de l'Ogololo et enfin 2-0 celle du Haut-Ogoué en demi-finale. Depuis le début, j'ai dit à mes coéquipiers qu'on doit... C'est une finale, on ne la joue pas, une finale, on la gagne. Donc, on va remporter ce championnat. Ils sont rejoints quelques temps plus tard par la sélection de l'Estuaire, tombeur de 1 de Langounié. Ceci après l'expulsion de l'unique buteur Ngounis sur carton rouge. De quoi susciter de la tristesse chez les perdants. On a beaucoup de regrets parce que nous voulions gagner ce match et partir en finale. Mais malheureusement, Dieu a fait ces choses. Ce qui n'a pas marché, c'est que la communication entre mes joueurs et moi n'était pas bonne. Nous sommes déçus. Une défaite qui les relègue à la 3e place, synonyme de médaille de bronze. Mais une question demeure, qui de l'Estuaire ou de Wellentem sera l'heureux vainqueur de cette phase finale du championnat national des moins de 17 ans ? Réponse, ce 2 août en après-midi.